suis là depuis le début, c'est d'abord parce qu'on a des revendications écologiques. C'est vraiment la terre qu'on veut laisser à nos enfants. Du coup, c'est vraiment la première revendication. Ensuite, il faut admettre qu'on est vraiment écrasé par les taxes et les impôts. On paye de notre sueur toute l'évasion fiscale des multinationales, tout ce qui est des frais cachés, des choses comme ça. Si je suis revenu à l'acte 9, c'est parce que toutes les déclarations qu'on entend de nos élus politiques qu'on a élus nous-mêmes vont complètement à l'encontre de ce que moi je vois et de ce que je pense qui serait préférable pour l'État français et pour le peuple français. Voilà. Du coup, moi, ma seule revendication personnelle, ça serait l'instauration d'un RIC qui permettrait un RIC révocatoire, qui permettrait du coup de révoquer les élus qui, selon la majorité du peuple français, ne fait pas le travail pour lequel ils sont rémunérés et pour lequel ils ont été élus. Du coup, le RIC nous permettrait de ce côté-là d'avoir un gouvernement ou en tout cas des politiques qui mettraient du cœur à la tâche et qui feraient en sorte que les Français les soutiennent vraiment et pas d'étouffer toutes les revendications des Français. On voit aujourd'hui qu'on s'est fait gazer alors qu'on était complètement pacifique. C'est vrai qu'on l'entend depuis le premier acte, mais faut être honnête, à chaque fois, il y a de la répression.